Nous allons travailler avec Penyu, une très belle pièce pour clarinette, et ici avec piano bien sûr, mais qui est au départ un ballet de Gabriel Pierné, Cydalise et le Chèvre-Pied. Qu'est-ce que c'est que l'école française? On parle toujours d'école française, très difficile à définir, mais en citant Ravel, en citant Debussy, en citant Fauré, en citant Pierné, je pense qu'on a tout expliqué. C'est l'école de la légèreté, de la transparence, des sons légers, je dirais même diaphanes, avec toute une recherche dans l'articulation. Alors, Cydalise, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on ne joue plus cette musique. Et pourtant, Dieu sait si c'est beau. C'est un ballet en deux parties, avec Cydalise, bien sûr, et les Chèvres-Pieds, qui est en réalité l'amant. Cydalise et les Chèvres-Pieds de Gabriel Pierné, qui était un grand compositeur, mais aussi et surtout un grand chef d'orchestre. Nous allons travailler cette pièce. Cydalise et le Chèvre-Pied de Gabriel Pierné. C'est bien. Et on va recommencer. On peut penser, quand on écoute ce Gabriel Pierné, à une autre pièce pour clarinette et piano, qui est celle-ci. On retrouve exactement ce rythme. Do-pa-dam-pa. Alors, comment faire? On a un point sur les croches. Hein? On peut l'écouter comme ça, mais c'est pas très joli. Hein. Alors, on doit garder ce côté dansant, puisque de toute façon, c'est un ballet. Et à l'orchestre, moi j'ai eu l'occasion de jouer ça très souvent avec un grand chef qui s'appelle Jean Martineau. C'est vraiment un grand solo de clarinette accompagné par une harpe. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Hein. Alors, c'est bien, mais do, padam, pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam. Avec la harpe pour commencer. On va refaire. Attention, tu vois la croche pointée. Alors, on a un côté mélodique. Do, fa, tu vois. Do ta la, do a di da la, et. Alors il faut la chanter. Après, alors on a deux choses. On a ta la, ta la, et ta la, pam, pa, din, to, din, di, la, ta la, tam, pa, la, pim, pa, li. Et pas trop long. Hein. On va recommencer. Mais il faut bien prendre, bien inspirer avant. Et ça va bien se passer. Hein, mais c'est difficile de respirer à cet endroit-là. Mais sol, fa, mi, ré, do, bon, c'est pas très bon. Mais et dansant, mais qui est toujours un phrasé. Do, pa, dam, pa, la, li, do, et do, do, din, ti, ran, ta, ran, ta. Allez, on y va, c'est bon. D'accord. Voilà, ça nous prend un peu. Do, ta, dam, pa, la, li, do,
pas exactement ce qu'il faut. C'est trop saccadé, ça. C'est trop. On n'entend pas cette belle. Justement, on parle de école française, élégance française, délicatesse française. Hein. Alors, il doit toujours. C'est quand même une phrase. Do, palam, palali, do, do, tala, tam, tala, tam. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est quand même une grande phrase, une belle phrase. Mais c'est difficile à jouer. Très difficile à jouer. On va commencer directement sur toi. Hein. Vas-y, chante bien. Hein. C'est parti. Do. J'exagère, tu n'as pas fait ça. Mais dans son. Voilà. Voilà. Oh, c'est difficile, mais c'est bien. Pense à la mélodie, pas uniquement qu'au tala, 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 tala. Dom, badam, pam, badam. Bien, puis on va passer. Hein. Attention ici, mi, la, la, li, pati, la, la, li, li, ti, la, la, li, li, do, li, li. Allez, c'est parti. Un, deux, et do, tala, ma, li, do, li, li, do. Que je disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de respirer. Hein. Ne pas être pris par le carcan du rythme. Un, deux, un, deux, non. Que ce soit la harpe ou un chef d'orchestre, mais il attend. C'est, l'interprète, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'exprime. Mais avec beaucoup de liberté, tu vois, tout en gardant bien sûr que le code de la route, hein, c'est-à-dire une partition, mais il faut savoir s'exprimer. Ah, on va revenir directement sur la la di do re do re di la la do da 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 di. Allons-y. C'est marqué un peu plus fort, tu vois. Hein. Alors ici, on est bien dans la délicatesse, la danse, pam, pada. Ici, ça chante un peu plus. Autant tout à l'heure, je n'étais pas d'accord dans ce qu'on a travaillé, dans le Verdi, de faire trop de la 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 la. Mais ici, dans cette musique, on peut un peu. Hein. C'est en dehors du temps, tu vois ça, la, 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 la. Le rythme, oui, ok, on a besoin de rythme, bien sûr qu'on en a besoin, mais pas que ça. On voudrait reprendre directement dessus. Ça, li, li, lou, la, la. Un, deux. Voilà, c'est...
c'est bon, on va s'arrêter là. Oui. Attention les débuts de phrase, hein, de ne pas attaquer, bang, hein, comme ça, mais toujours comme une voix. La, 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 et doux, la, la. Jamais de tac, tac, jamais. Voilà, ça c'est bien. Il y avait quelque chose que je voulais dire. Voilà. Oui, les croches avec le point, ça c'est difficile à expliquer. Vous avez une liaison et vous avez un point. Une liaison et un point. Et bien souvent, ça, c'est pas toujours bien compris des clarinettistes. Parce que c'est une note jetée. C'est tam, padam, pam, padam, tam, padam, pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam. Et patari, tam, tam. Là, on alourdit, tu vois, on alourdit. Mais pam, pirim, pum, padam, pirim, padam, pim, padam, pim, padam, pam. Padam pam, padam pam. On refait ici. Attention. Un, deux. Ça doit être dansé, mais pas trop, ça doit pas être trop raide, quoi. Ça doit être souple. On refait encore ça et on chante bien. Sol, si que doux. Un, deux, sol. Pour le piano. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est un. Comme de la fumée. Hein? Encore une fois ça, mais on passe. Ouais. Et... chanter et danser, hein, pas l'interprète. Hein. Attention, hein, attention de ne pas trop bouger. On peut bouger, mais d'une façon musicale, mais pas toujours le même geste. Hein, tu vois. Mais on peut ne pas bouger, c'est très joli aussi. Hein. On peut ne pas bouger, c'est très beau aussi. Voilà, ça c'était bien, tu as bien réussi ça. C'était là, là. Ça va. Oui, il faut penser, quand tu as... On a des attaques un peu brutales comme ça. C'est-à-dire qu'avant même de placer la langue, il faut penser au souffle. Oh, oh. Autrement, si on ne pense pas au souffle, on aura tac, cette attaque. Et c'est désagréable. Hein. Il faut éviter tout ce qui est pointu. Tac. Et si on peut éviter de ne pas trop bouger, hein, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais bon, un tout petit peu. On reconnaît, on recommence ici et on passe après. Allez, et chante bien. Attention à l'attaque. Un et deux et.
Autrement, c'est trop bel canto, tu vois. Hein, avec élégance. Et pas trop lent. Allez, directement ici. Un, deux. Ah, dommage. Dommage le dodo. Dodo, bien tenir, mon monsieur. Hein? Do, 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 da, da. Do, 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 c'est bien. Mais il faudrait en faire quelque chose, une unité de tout ça, tu vois. On sent que tu es trop préoccupé par le style, hein, par la forme, quoi. Pam, padam, pam, padam. Parce qu'en réalité, ça chante, ça, tu vois. Do, da, 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 do, la, sol, mi, do. Tu vois, tendre, plein d'expressions. On va terminer, on va reprendre sur le motif pour quand on revient après la grande tirade de piano et de clarinette. Mais do, padam, pam, mais essaye de bien le pam, padam, pam, un, deux, et. Oh non! Attention, on évite ça. Un, deux, c'est un peu trop court, do, ton do, do, ta la, ta, ta, do, sa la, la, do, ba la, ba, ba la, un, deux, do, ta, 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 résumer un peu ce genre de musique, hein, que ce soit dans Debussy, Ravel, pam 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 pam, ça c'est dans le tombeau de Couperin, on trouve ça dans Debussy, donc ici dans Pierné. Alors si, on va résumer en quelques phrases. Alors c'est l'école française, c'est l'école de l'articulation, mais l'articulation bien faite. On voit trop souvent maintenant de passer à côté des articulations, de ne plus respecter exactement ce qui est indiqué, c'est-à-dire respecter le texte. Alors, mais c'est quand même encore difficile, même quand on respecte bien le texte, c'est d'apporter le souffle derrière. Il y a quand même une ligne générale, une phrase, c'est pas tant ta la ta ta la ta ta la dom param pam pali dom param pam param 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 param. Voilà, donc on retrouve ça bien sûr dans le canzonetta de Gabriel Pierné, remarquablement interprété à l'époque, parce que quand on parle d'école française, on pourrait peut-être parler d'un grand clarinettiste français, et je terminerai avec ça, avec Louis Cahuzac.